en direct sur TV et Radio de Ville. Il est 19h35, heure locale, heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct. Voilà, que Dieu soit béni. C'est une direct surprise. Et puis, voilà, Dieu fait son œuvre. Nous avons voulu faire cette émission, ce direct surprise pour encourager ceux et celles qui sont fidèles au Seigneur et fidèles également à nos émissions. Que le Seigneur soit béni pour la présence de tout un chacun. Adonai Elohim, Dieu d'Israël, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour ta présence ce soir, Papa. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour toutes les épreuves auxquelles tu nous soumets, Seigneur, notre Dieu. Et nous savons que toutes ces épreuves sont, Seigneur, indispensables à notre croissance. Béni soit ton nom, Elohim, Adonai, El Shaddai, Ono Yeshua. Amen. Guten Tag. Comment on dit? Guten Abend. Guten Abend. Abend. Guten Abend. Good Nabend. Ok, que Dieu soit béni. Donc, je suis entouré d'Allemands ce soir. Hein. Donc, nous avons une rencontre demain que nous avons voulu, mes amis, mettre en place. Cette rencontre concerne uniquement les dirigeants d'église, les pasteurs, tout ça, les apôtres, les prophètes, les prédicateurs pour échanger, partager sur. Les temps dans lesquels nous sommes, sur le message du temps, sur la vision que le Seigneur donne pour cette génération. Voilà, donc c'est des pasteurs qui viendront de pas mal d'endroits et nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre. Voilà, donc il y en a qui pensaient que c'était une réunion ouverte à tout le monde, une réunion de réveil. Non, c'est pas une réunion de réveil, c'est pas non plus un séminaire. C'est une rencontre réservée aux dirigeants d'église, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'église qui sont touchés, des pasteurs, des anciens, des... Et prophètes, apôtres, docteurs, tout ça, des conducteurs. Voilà, donc nous avons voulu nous rencontrer pour échanger. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous savons que vous êtes nombreux à être encouragés par les œuvres que le Seigneur fait ici et là. Et nous bénissons le Seigneur également pour tout ce qui se passe du côté des US, aux États-Unis. De plus en plus, les États-Uniens et les États-Uniennes, donc les Américains et Américaines sont touchés par l'évangile et nous voulons vous saluer. Vous savez que nous serons bientôt à Maryland et vous êtes déjà nombreux à appeler et pour avoir des renseignements, tout ça. Et nous allons avoir toute une journée à Maryland pour échanger, partager la parole du Seigneur. Et nous allons également nous disposer pour éventuellement recevoir les frères et sœurs qui aimeraient échanger avec nous. Voilà, donc je crois que Dieu va véritablement nous faire du bien. Alors, comment ça se passe chez vous en Allemagne? Alléluia. Dieu travaille, mon frère William, comment vas-tu? C'est allumé. Je vais bien. Je remercie le Seigneur d'être là parmi vous. Uh-huh. C'est toujours une joie de rencontrer, de retrouver les frères et sœurs de Paris. Et nous sommes là pour échanger, comme tu l'as déjà mentionné. Bon, l'Allemagne, c'est comme vous connaissez. Hein. Récemment, on a eu une conférence à Bonn. Et on en a eu déjà plusieurs. Mm-hmm. Et nous voyons un peu comment les gens se mobilisent. Les gens ont soif, en fait. Les gens ont soif. Et nous continuons à travailler mm-hmm. pour... propager le message en Allemagne, toucher les Allemands, toucher tous ceux qui vivent en Allemagne. Est-ce que vous avez mis en place une plateforme? Est-ce que vous avez mis en place un site web pour éventuellement diffuser la parole en allemand? Justement, on a un site web. Ça s'appelle Zurück zum Wort. Zurück zum Wort qui veut tout simplement dire en allemand, en français, retour à la parole. Il y a... Zurück zum Wort. Ah ben dis donc, c'est une langue terrible. Zurück zum Wort, qui veut tout simplement dire retour à la parole. Sur YouTube aussi, Zurück zum Wort. Il y a quelques messages qu'on a en allemand. On va demander un stylo, ça me vient comme ça, à l'équipe technique. Comme ça, tu vas nous écrire. D'accord. Les frères, l'équipe technique va pouvoir taper cette adresse et puis nous montrer un peu ces images. Voilà. D'accord, donc sur YouTube aussi, on a quelques messages. La plupart des rencontres que nous avions eues avec le frère Chouara
en Allemagne. On en a déjà placé sur, sur ce site. Et puis bon, ça évolue un peu lentement avec beaucoup de hauts et de bas. Mais mm-hmm. le Seigneur nous fait grâce. Donc, et puis on a aussi organisé, disons chaque fin du mois, mm-hmm. Tous les derniers samedis du mois, on se retrouve à Stuttgart. Mm-hmm. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une salle dans un hôtel, l'hôtel Mercure, voilà, l'hôtel Mercure à Stuttgart. Et on se réunit chaque fois dans le mois pour mm-hmm. prier, mm-hmm. prier pour les Allemands, prier pour l'Allemagne, prier pour le réveil en Allemagne et s'encourager aussi. Donc il y a un peu ces activités, il y a des rencontres aussi, il y a différentes rencontres. Quand par exemple à Hambourg, nous serons à Hambourg le 6 et le 7 pour une campagne d'évangélisation. Mm-hmm. Donc on ira dans un grand parc et on va placer des baffes et puis rencontrer, discuter avec les gens. Et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 7, nous aurons une conférence. Mm-hmm. Et là, le Seigneur va se glorifier. Le dimanche 7 juillet. Le dimanche 7 juin. Juin. Voilà. Donc, une conférence où ? À Hambourg. À Hambourg, c'est bien. Voilà. Ça bouge là-bas aussi. Oui. Il y a des frères et sœurs de toute l'Allemagne. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez, vous qui habitez toute l'Allemagne. Hein. Également ceux qui habitent, ce pays où l'on parle également l'allemand. Donc, L'Autriche, par exemple. L'Autriche, voilà. Donc, oui. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez ce soir et partager avec nous, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a l'adresse qu'on va donner à l'équipe technique pour permettre aux frères et sœurs de toute l'Allemagne qui ne connaissent pas ces sites d'avoir accès à cette parole qui est diffusée massivement. Amen. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions à poser, des choses à partager? Voilà. Dieu travaille. Amen. Voilà. Vous êtes là, les frères. Alors, il faut nous comprendre hein, parce que on vient de l'Allemagne, on a l'habitude de voir ça à la TV, la web TV. T'as l'habitude de venir à Paris quand même, mon frère. Et puis tout d'un coup, on se retrouve là sur le podium. Bon, t'as l'habitude de venir en France. Bon, moi oui. Bon ben, les autres sont un peu. Est-ce que tu sais que ton pays d'origine est touché aussi hein? Amen. Hein? Je remercie le Seigneur pour ça. Le Gabon et pour ceux qui nous suivent également du côté du Gabon. Et est un pays quand même assez particulier parce que le message a tellement pris là-bas, hein, comme on a pu voir là, dans les images. Hein, et j'ai eu encore quelques entretiens, j'ai eu à partager avec mon frère Alain Bécalé. Et il n'y a que des bonnes nouvelles, mais c'est impressionnant le travail que le Seigneur fait. Ça prend dans tout le pays. Et je sais que les frères et sœurs du Gabon sont connectés ce soir et ils aimeraient certainement nous voir aussi. Mes amis encouragés parce que le Seigneur fait chez eux, hein, donc ça nous a béni en tout cas. Et moi, je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qui se passe, ce qui se passe au Gabon, parce que on n'aurait jamais pu imaginer une telle chose. Quoi, parce mm-hmm. que c'est vrai, on a eu un réveil à un moment donné. Bon, les choses se sont gâtées, mais maintenant, là, ça prend tout le Gabon et ça prend aussi toutes les couches sociales. Hein, mm-hmm. parce que, les autorités qui sont touchées. Et c'est encourageant de voir tout ça. Déjà, ton dernier passage au Gabon, quand je parle un peu avec ma famille, ils sont tous. Ton papa était là, hein? Mon papa était là. Et, bon, il dit, mais ce gars, il a le succès. Il comprenait pas voir une personne habillée tout simplement et tout ça, et voir la gloire de Dieu se manifester comme ça. C'est des choses qu'on comprend pas. Donc on a toujours l'impression qu'il faut voir quelqu'un en cravate et tout ça, en veste, cravate. Vous êtes bien tout en blanc, quoi. Voilà, tout en blanc, il faut une colombe pour descendre et tout ça. Mais non, là, ils étaient dépassés. Là. Mon père me dit, mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu de telles choses. Mais comment, tu connais de telles personnes, c'est quoi, c'est ça? Et c'est alors, vraiment on n'est rien du tout. Hein, bah oui, c'est justement ça. Parce c'est que celui là, c'est... qui est à nous qui fait toutes ces choses. On remarque en fait, c'est le Seigneur qui travaille. Quoi. Le Seigneur agit, le Seigneur touche. Et là, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de... C'est une personne, je ne sais pas, on imagine, je ne sais pas, mais quand tu es arrivé, ils ont dit, mais c'est lui. Et après,
quand la gloire de Dieu s'est manifestée, ah, avec lui. Donc Dieu fait ce qu'il veut et nous voyons un peu ce qui se passe au Gabon. C'est vraiment encourageant parce que là, ça part même dans la plupart des provinces, provinces au Gabon. Et c'est beau. C'est très beau. Et mon frère Thierry, comment vas-tu? Amen. Ça va par la grâce de Dieu. Nous avons... Bon, je suis le frère Thierry de Stuttgart et c'est pas la première fois que je viens, mais c'est la première fois que je passe. Et nous sommes à Stuttgart, nous nous réunissons à la maison et le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Et nous avons vraiment commencé, si on peut dire, à zéro. Nous avons commencé à zéro et nous sommes tout doucement monté. D'accord. Et nous voyons vraiment comment le Seigneur fortifie les frères, comment il fortifie les sœurs. Et nous ne voyons pas encore, certes, le réveil, mais le Seigneur nous a promis qu'il y aura un réveil et nous le croyons fermement qu'il va se glorifier. Amen. Et que les âmes seront délivrées du péché et de Satan pour venir à Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des coups de fil, là, l'équipe technique, donc les Allemands. Et voilà, donc on a vraiment voulu encourager les frères et sœurs d'Allemagne. Alors il y en a d'autres qui vont arriver, hein, donc d'Allemagne, des pasteurs, tout ça. Et voilà, donc. Je me rappelle qu'à la dernière rencontre à Bonn, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient là. Des gens qui étaient là pour la première fois aussi, des pasteurs qui ont assisté à cette rencontre et qui demandent vraiment voir ces choses-là dans leurs assemblées aussi. Parce que on a l'impression que, en fait, quand on regarde un peu la plupart des assemblées, les églises sont mortes, donc il n'y a plus rien. C'est comme si Dieu n'en agit plus. Et là, dans cette rencontre, Dieu, le Seigneur, s'est manifesté. Ok, et parce qu'on fait signe le micro pour ça. Ah, pardon. D'accord. Le Seigneur s'est manifesté et là, ils se sont dit, mais on veut voir ces choses-là aussi. Ok. Donc, c'était encourageant de voir aussi beaucoup de pasteurs assister à cette rencontre. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui pensent qu'on est contre les pasteurs, alors qu'on est contre les faux pasteurs. Donc, il ne faut pas faire la part des choses. Alors, comment vous trouvez un peu les choses, voilà, mon frère, qui suit aussi les enseignements en Allemagne? Et voilà, il y a un micro pour toi, bien sûr. Bon, je m'appelle le frère Richard. Pour moi, d'abord, je trouve les choses vraiment, le Seigneur nous a saisi d'abord, premièrement, parce que nous savons tous que nous sommes venus de l'autre côté, et tout le monde s'est laissé. Donc là, on était dans des systèmes, voilà. Oula, mais Dieu nous a fait grâce. J'ai appris que là-bas, on vous a demandé de cotiser chacun 2500 euros. Ah, mais oui, là, on a fait ça, c'était dans 2000, c'était dans quelles années? C'est 2003. Oui, j'ai pas dit 2003. D'accord. 2500 euros, est-ce que tu as cotisé aussi ça? Bon, moi j'avais donné 500 euros. 500 euros, d'accord. Oui, 500 euros, donc pour acheter un bâtiment. À l'Allemagne? À l'Allemagne, oui. D'accord. Oui. Vous l'avez acheté ce bâtiment? Non, non plus. Vous avez récolté combien? Bon, la somme, normalement, je ne sais pas, mais je peux dire que tout le monde a cotisé, presque tout le monde a cotisé, parce que ils nous ont dit, bon, le couple, ils vont donner 2500. Le célibataire, aussi 2500 aussi. Alors, comme c'était difficile à donner cet argent-là, du coup, bon, on nous a dit de donner ça par tranche. D'accord. Par tranche, bon, si tu as 250, tu donnes, tu as 500 euros, tu donnes, voilà, et ainsi de suite. Alors, de ma part, j'ai donné seulement 500. Dieu merci, Dieu m'a fait ouvrir les yeux. Et bon, je dis non. Comment ça se passe, ces choses comme ça? Donc, je n'étais pas vraiment au courant de ces choses-là, parce que auparavant j'ai accepté, mais après, j'ai dit, mais non, pourquoi piller les gens comme ça? Bon, il y avait un frère là qui était vraiment un peu zélé, et il a demandé au pasteur, mais on a contribué. Maintenant, où est la maison? Où est les bâtiments? Maintenant, le pasteur a dit, non. Est-ce que vous avez l'audace, là? Tu as vraiment l'audace de me demander? Est-ce que tu peux me demander toutes ces choses-là? Ah, mais non, c'est nous qui ont cotisé. Donc, nous avons aussi le droit, là, de demander. Voilà. Donc, par là, maintenant, il y avait un peu de discussion. Avant même ça, on a cotisé l'argent du bus pour acheter un bus, là. À l'époque, c'était Denmark, ceux qui connaissaient l'argent, l'ancien argent là, c'est Deutsche Mark, c'est pas D'accord. Deutsche Mark, voilà. Donc c'était l'ancienne monnaie, quoi. L'ancienne monnaie, voilà. Ah, d'accord.
l'ancienne monnaie, on a cotisé, c'était à peu près 8 000 Deutsche Mark. Deutsche Mark, okay. Voilà. 4 000 euros. Oui, tout 4 000 euros, ça va. Mais il n'y a pas eu de bus d'acheter. Non. Mais cet argent, ça allait où, là? C'était à la poche du pasteur. Du pasteur. Mm-hmm. Il a commencé à faire des business, là, en Angola. Il achetait un camion, là. Et bon, il faisait des business avec les autres, son grand frère, ses petits frères en Angola. Voilà tout ce qui s'est passé en Allemagne. Mais Dieu est grand. Celui-là, il n'a jamais été. Il n'y a pas de vidéo contre lui sur Internet, il n'y a rien. Qui pouvait le faire à cette époque? Même aujourd'hui, il n'y a rien. Non. Personne. Nous savons tous que. En fait, les faux pasteurs, ils sont vraiment acclamés, adulés. Nous savons tous qu'à cette époque-là, c'est dur pour approcher un pasteur, un apôtre. Pour lui dire que non, mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, ça, voilà, c'était dur. Même moi-même, j'étais là-dedans, mais bon, je peux dire que je ne pouvais pas. Voilà. Mais après, quand je suis sorti de là, je dis mais non. Et tu t'es pas fait rembourser tes 500 euros quand même? Je vais laisser. Tu as le droit de réclamer ton argent avec bon, que tu as gagné à la sueur de ton front. Je n'ai pas eu vraiment. Ok. Voilà, en bref, donc Dieu est bon parce que Dieu nous a libérés. Donc je dis souvent que je suis vraiment libéré, je suis libéré, Dieu m'a libéré parce que je ne savais pas comment faire. Voilà, donc auparavant, quand j'étais dans ce système-là, je disais souvent que si je quitte cette assemblée, Où irais-je? Mm-hmm. Voilà les pensées des hommes à l'époque. Donc on croyait que l'église, c'est le bâtiment, voilà. Donc, quand je quitte ces bâtiments, alors où irai-je? Voilà. Or, maintenant, Dieu nous a fait grâce de comprendre que non, l'église, c'est moi, je suis l'église. Mm-hmm. Voilà. Donc, je remercie vraiment le Seigneur par rapport à la parole, la vérité. Et puis, je remercie aussi le Seigneur parce que j'ai parlé avec le frère Serge et le frère Sylvain aujourd'hui que Dieu m'a fait grâce. Donc, dans un songe, j'ai dormi. Bon, dans un songe, j'ai fait un songe là. Je vis, justement, on parlait aussi de l'apôtre Chora, on parlait de frère Chora. J'ai dit, mais j'ai fait un songe. L'apôtre Chora est venu chez moi, et puis il me dit, toi, il faut que tu apprennes la parole de Dieu. Il faut aller apprendre. J'ai dit, mais quoi? Aller apprendre? Parce que moi, j'ai prêché, là, tu sais, bon, dans ce sens-là. Voilà, mais tu prêchais à l'Assemblée là-bas? À l'Assemblée, oui, j'ai prêché. Tu étais nommé quoi, évangéliste? Donc, je suis ancien, voilà, pas évangéliste, okay. Bon, ancien, c'est nous qui avons commencé. Quand on a quitté là où on était, bon, à Vanstadt, donc c'est chez l'apôtre là, où, bon, on a un peu s'organisé de notre coin là, à Beblingen. On a fait. On a commencé l'œuvre de Dieu là-bas. D'accord. Donc, voilà, en fait, tu étais reconnu pasteur, quoi, parce ancien pasteur, en fait. Oui, bon, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on était là au nombre de 4 personnes, 4 familles, disons. Mais tu sais, le truc là, si on sort de ces choses-là, vous n'êtes pas vraiment converti. Il n'y a pas vraiment la conversion, la vraie conversion. Donc, vous allez amener les trucs là, que vous avez laissé de ces côtés-là. Mm-hmm. Donc, on a amené ces trucs là. Quel truc de les mauvaises choses, les habitudes, les fausses doctrines. Quand on est ensemble avec les 4 familles là, bon, les gens commençaient aussi à dire que non, c'est moi, non, c'est moi. Chacun se battait pour le poste. Voilà. Voilà. Il y avait aussi. Moi, je suis le pilier. Je suis le pilier. Hein, je suis le pilier. Voilà. Hein? Donc, ça a commencé comme ça. Je dis, mais non, comment? Si nous sommes quittés, nous avons quitté ces ensembles là et nous sommes venus ici, on disait que nous voulons la réforme. Maintenant, on va commencer la réforme dans telle manière. On commence maintenant. L'autre dit que moi, je suis apôtre. L'autre dit que moi, je suis. Et toi, tu disais quoi? Tu disais pas que tu es ancien aussi? Là, moi, je ne prêchais pas à cette époque-là. Ok. Mais tu réclamais rien? Tu ne réclamais non, rien? Non, je ne réclamais rien. D'accord. Oui, je ne réclamais rien. Parce que moi, à ce temps-là, moi, je ne prêchais même pas. D'accord. Mais je peux conduire la réunion. Voilà, d'accord. Donc, comme on disait, la modération, tout ça. Okay. Modérateur, comme on l'appelle ça. Voilà, c'est ça. Le président du culte. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il modère. Hein. Je crois qu'il modère quand l'esprit veut agir. Mmh. Hein, le modérateur, il l'empêche un peu. Quoi qu'on ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Voilà. Donc, d'accord. Non, c'était ça, vraiment. Donc, il y avait un frère là qui prêchait déjà quand on était de l'autre côté. Bon, il prêchait. Il y a aussi un qui s'autoproclamait, c'est lui le pasteur, parce qu'il a fait la théologie.
Bon, il a eu son papier, bon, de théologie, tout ça. Bon, on dit, bon, ça va, comme vous voulez ça. Alors, commencez l'œuvre. Tu es le pasteur de l'église, le berger. Donc, on n'a pas dit le pasteur, mais tu es le berger. Mais au fait, quand on a lu dans la Bible, mais c'est la même chose. Mm-hmm. On ne savait pas, voilà. On ne savait pas localiser, et bon, bien, comment... C'est synonyme. Voilà. Il y a une berger, telle confusion. Voilà, confusion. Il y avait la confusion des mots, voilà. C'est comme Bishop, c'est grave quand même ce qui se passe dans les églises. Hein. Tu dis à un pasteur, tu dis à un bishop, tu es ancien, il dit non, je suis bishop. Voilà, c'est ça. Et il ne sait pas même pas que bishop, c'est tout simplement anglais. C'est un anglais, hein, ancien en anglais. Voilà, donc ce sont des choses qui s'est passées. Évêque, précisément, ouais. Donc, oui. Voilà. Et puis, bon, il y a des frères qui prêchaient là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Bon, le Seigneur nous a montré, il nous montrait toujours des mauvaises choses. Pendant qu'on était dans l'assemblée, pendant qu'on se réunissait là, il y avait toujours des songes, des mauvais songes. Dieu nous réprime. Donc on ne connaissait même pas. Mais quand on a suivi ces choses-là, on dit que mais non. Or, celui qui prêchait là, et soi-disant les berger là, donc il n'y avait pas vraiment l'unité, quoi. Donc, il y avait des... Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Il y avait la guerre des chefs. Il y avait des guerres, voilà. Guerre froide, là, entre eux. Voilà. Mais nous, ne savons pas. Moi, j'étais modérateur. Et l'autre, là aussi. Bon, modérateur. Voilà. On dit, mais comment vous prêchez? Tandis que vous prêchez, là, vous êtes le prédicateur de l'église. Mais il y a toujours des querelles, là. Il y a toujours des tiraillements, voilà, tout ça. On dit, non. Alors, je dis, non, si c'est comme ça, frère, on laisse. Laissons le Seigneur nous conduise. C'est mieux. Parce que les bons pasteurs, la Bible nous dit, c'est lui-même, Jésus-Christ. Donc nous devons quitter à ces choses-là. Et là, maintenant, tu es sorti de tout ça. Donc, les frères, il y a un couple qui sont quittés. Il y a aussi le frère là, bon, on a eu un sale là, très bien. Vous étiez combien là-dedans? Vous étiez combien? Bon, quand on a commencé, il y avait 4 familles. Et il y avait des gens qui venaient. Donc, on était au nombre de 7-10 comme ça. 10 personnes et déjà à la guerre des postes. Oui. Non, pas 10 personnes à la guerre des postes. 2 personnes. Non, mais je veux dire, il y avait 10 personnes dans l'assemblée. Voilà. Et il y avait déjà il y avait 2, bien sûr, combattants. Voilà. Hein, donc, 2. C'était ça. C'était ça, vraiment. Et puis l'autre a quitté l'assemblée. Et puis l'autre, là, on a eu un bâtiment de bon prix. Là, il n'a pas voulu partir parce qu'il a eu, il avait son papier de théologie. Il a dit que non, moi, Dieu m'a dit de rester ici. Donc, ok, ça va, comme tu restes, hein. On s'est partagé encore. Il y a aussi, nous avons commis aussi la division. Nous sommes partis de familles. Donc, là, on a commencé, c'était vraiment très bien. Là, vraiment, j'ai dit, on a bien commencé. Mm-hmm. Parce que moi, quand j'ai quitté ces assemblées-là, je ne savais pas, parce que Dieu me parlait. Tu vois, quand tu vis dans le mal, par exemple, et Dieu aussi, si tu es appelé, Dieu t'a choisi, il y aura des choses que tu vas commencer à faire, ça va commencer même à étouffer les autres, et tu vas commencer même à dire, non, ça, ce qu'on fait, c'est pas bien. Ça, ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais il y a d'autres qui te disent, non, comment, pourquoi tu fais ça? Mais non, tu exagères, tout ça. Donc, on a commencé avec les frères là, c'était très bien. Donc, un an, deuxième année. C'est quoi, dans quelle ville? Stuttgart? Maintenant, à Biblingen. Okay. Banlieue de Stuttgart, okay. Mais banlieue de Stuttgart. Et c'est dans cette assemblée où on vous a demandé 2500 euros chacun? Non, là, j'ai déjà quitté là-bas. Ah, t'as déjà, ok, d'accord. Là, j'ai déjà quitté, c'était dans le 2007, j'ai quitté cette assemblée. Et puis, on a laissé tout ça, tout ce qu'on avait donné là, d'accord, comme l'argent. Ok, ouais. Donc, ouais, tu disais, quelqu'un voulait parler, parce que comme le frère parlait là, et, tu disais quoi? Il est passé là. Non, il s'est posé la question que c'était quel pasteur qui le conduisait là où ils étaient dans leur première assemblée. Qui a demandé l'argent de 2500 euros. Donc, je ne sais plus citer le nom. Bien, ah ben, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est l'apôtre Victor. Ok. L'apôtre Victor, à Vanstadt, je ne sais pas si le frère, tu le connais. Tu es de l'Allemagne. Oui, il doit connaître tous les pasteurs d'Allemagne parce qu'il a tassionné un peu quand même mon frère Blaise. Ta tête est réclamée là depuis. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me suivre, qui vont me reconnaître aussi encore. D'accord. Bon, on m'a chassé dans les assemblées à cause de l'apôtre Kéchora. On t'a chassé parce que tu as accepté le message. Parce que l'évangile. J'ai enseigné la dîme.
Comme quoi la dîme c'est la loi. Comme ça la dîme c'était la loi, et ainsi de suite. Comme on dit toujours, l'homme de Dieu a pris ça. Va lui dire qu'il ne puisse pas venir ici chez nous. On m'a chassé. Bon, gloire à Dieu. Mais bon, ce que j'ai retenu, vraiment, j'ai compris que même moi-même, et les autres pasteurs qui nous encadraient avant, en tout cas, nous étions tous des païens. Mm-hmm. On ne connaissait pas Dieu. Là, j'écris ça jusqu'à maintenant haut et fort. Moi-même, personnellement, après avoir reçu ces messages, et de connaître les messages que Dieu t'a donné, j'ai commencé à réaliser que non, ma vie doit appliquer derrière la parole. Mm-hmm. Et dans ce moment-là, j'ai commencé à méditer la parole et j'étais toujours dans les assemblées. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai fait? Là où j'étais, là où on m'avait chassé, j'étais là encore dans une autre assemblée. Mm-hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai enseigné les messages des temps, mm-hmm. j'ai enseigné la sanctification, j'ai enseigné le retour de Jésus-Christ, les messages des temps. Mm-hmm. Et les gens, vraiment, ils étaient tous vraiment satisfaits à travers ces messages. Mm-hmm. Mais ce que j'ai compris, que les gens reçoivent les messages, en tout cas, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais les gens n'agissent pas quand les autres viennent prêcher encore et prêcher d'autres messages. Et les gens sont toujours là pour acclamer. En fait, ils disent oui à la vérité. Quand le mensonge arrive, ils disent aussi toujours oui. Voilà. Parce qu'un jour, j'ai expliqué ce verset-là, Matthieu chapitre 5, je crois, verset 17. Je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Je commençais à expliquer des anciens là, qui étaient là. Mais quand Christ a dit que je ne suis pas venu accomplir, abolir, accomplir. Mais il faut vraiment savoir, nous avons quelle sorte de loi. Nous avons normalement trois sortes de lois. Loi morale, loi civile et loi cérémonielle. Parce que tout le monde, les anciens et les passés, ils ont mélangé toutes ces lois-là. Mm-hmm. Non. Christ n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais il faut me dire quelle loi Christ il est venu accomplir. Mm-hmm. J'ai commencé à lui dire, il avait trois sortes de lois et 613 lois qui se trouvent dans la... J'ai dit tout. J'ai prêché toutes ces choses-là. Mais c'est comme ça, entre ici et ça sort là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne vont pas dans ces assemblées pour chercher le Seigneur. Amen. Ils y vont pour avoir une bonne, une bonne conscience. Hein, donc, soulager leur conscience et surtout pour. Ils sont beaucoup aussi, comme ils sont aussi d'origine, certains sont d'origine africaine, ils sont un peu nostalgiques. Ils retrouvent un peu leur communauté, hein, donc l'ambiance un peu du pays. Donc il y a là, voilà. Et pour ceux qui sont issus, qui viennent de l'Europe, donc les Européens, c'est aussi le fait de se retrouver en communauté avec les frères et sœurs. Et c'est ça plutôt que les gens malheureusement, des gens recherchent aujourd'hui, plutôt que la vérité. Et c'est ça qui, mes amis, fait défaut. Donc voilà. Donc on bénit le Seigneur pour les choses qu'il accomplit. Et je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, mon frère Adjadi. Voilà, bien sûr. Il y a le micro qui est là, qui n'est pas... Voilà, c'est vert, c'est bon? Oui. Parfait. Oui, bonsoir, je suis le frère Adjadi d'Allemagne, Schwäbisch Gmünd. Oui, on dit toujours près de Stuttgart, mais c'est 55 kilomètres de Stuttgart. D'accord. Et pour les gens qui étaient dans la région, le frère Chora était à Allen, 22 kilomètres de Schwäbisch Gmünd, c'est-à-dire 70 kilomètres à peu près de Stuttgart. Et quand le frère Chora était là, je crois que c'était en 2007. 2007. Le Seigneur s'était glorifié dans cette assemblée allemande. Mm-hmm. Vraiment, c'était deux jours. Ouais. C'était une église allemande. Hein? Ouais, c'était une église allemande. Voilà. Et beaucoup de pasteurs. Moi, je tourne toujours avec les Allemands. Tu es professeur de français en Allemagne aussi? Oui, je sens dans mon esprit que je suis là dans ce domaine, chez les Allemands. Et quand le frère Chora a passé, le Seigneur s'est glorifié, mais en fait, ils n'ont pas accepté le message. Parce que peut-être que le frère Chora a oublié, mais il m'avait dit qu'il avait eu un songe sur cette assemblée. Il a fallu beaucoup de temps pour que je sois convaincu. Bien, je ne vais plus dans cette assemblée. Je suis devenu maintenant l'ennemi. Tous les frères
et sœurs allemands avec qui je priais même pour le réveil dans la ville. Quand il me voit maintenant en ville, il tourne, il passe à côté. Donc il tourne le côté de la rue. Et bien, je suis un rebelle. Ils disent, oui, pourquoi moi je voyage si loin? Alors que moi je ne viens pas beaucoup à Paris, vous le savez. Hein, ah, ouais, tout à fait. Pourquoi moi je voyage si loin pour aller chercher Dieu, que je suis rebelle? Mais Dieu fait grâce parce que j'ai appris quelque chose. Si le Seigneur nous a appelés même pour aller prêcher sa parole, il ne faut pas se presser, il faut attendre que les gens, que le Seigneur parle aux gens, que les gens viennent. Actuellement, régulièrement, trois Allemands viennent, partout les dimanches, mais ils viennent. À la maison chez toi? Oui, chez moi. Vous partagez l'évangile, tout ça? Oui, voilà. Donc, j'attends ce que le Seigneur va faire. Il faut beaucoup prier parce que je crois que cette assemblée-là, ou bien les assemblées autour, il y avait une assemblée qui m'avait aussi envoyé parce qu'ils disent que moi je prêche, que je partage de n'importe quoi, que c'est eux que Dieu a appelés, c'est eux qui connaissent la parole, des trucs comme ça. Et surtout la prospérité, ils aimaient ça, c'était... Chez les Allemands aussi, ils sont toujours par cet esprit de la prospérité. Oui, oui. Donc, il faut prier pour ces gens parce que dans ces assemblées-là, il y a des gens dont le cœur est certainement pur. Mais à cause du formatage, ils sont encore aveuglés. Ils sont encore aveuglés, mais c'est beaucoup d'entre nous aussi, on était dans des assemblées, mais c'est Dieu qui a fait grâce que les yeux s'ouvrent. Quoi. Amen. Et notre sœur aussi, tu étais dans une assemblée aussi, dans une assemblée en Allemagne aussi. D'accord. Et tu es sorti de là? J'ai sorti de là. D'accord. Est-ce que je veux parler à Lingala? Il n'y a pas de problème. Le micro près de la bouche. Excuse-moi, mes frères. Je m'appelle la sœur Espérance. Je suis la sœur Espérance. Hein? Je m'appelle Espérance, d'accord. Je priais dans une assemblée allemande. J'ai suivi les enseignements donc via TV de vie. Jésus revient. Donc j'étais dans une assemblée en Afrique qui portait qui s'appelait Jésus revient. Mais nabana okansanaza qui sert en Christ, ce que Jésus a yena okende. Je pensais être chrétienne, sœur en Christ, et si le Seigneur revenait, je croyais pas pouvoir partir avec lui. Nazaki na moi privilège na ko pe ko tele malibo sabato. Je prêchais l'évangile devant les frères et sœurs dans l'assemblée. Je croyais être en Christ. Mais quand Chora est venu à Kinshasa pour une conférence, j'ai participé à cette organisation. Je croyais être converti, mais en fait, je ne l'étais pas. Quand je suis venu en Europe, j'étais très zélé avec le zèle que j'avais en Afrique, tout ça. Croyant être chrétienne. Je m'en glorifiais et je pensais pouvoir partir lors du retour du Seigneur. J'allais dans une assemblée allemande. Je me disais, c'est ici que le Seigneur m'a envoyé. J'ai fait 12 ans. Après 2 ans dans cette assemblée, au sein de cette assemblée, je voyais qu'en fait rien ne marchait. Le pasteur prêche bien, tout est clean. Mais je ne parvenais pas à atteindre le niveau que je voulais atteindre. Et voilà. Je me posais la question à savoir si je servais véritablement le Seigneur ou si je ne le priais pas assez. L'année passée, l'année dernière,
Donc je connaissais mon frère Chora, mais depuis quand il venait en Afrique, mais depuis que je suis en Europe, en fait, je n'avais jamais eu l'occasion de l'écouter prêcher. Je ne m'attarde pas trop sur Internet, je ne suis pas trop Internet. Un jour, alors que j'étais avec mon mari chez nous, il cherchait, il faisait des recherches sur le net. Il a tapé, il est tombé sur les vidéos du frère. Je lui ai demandé de ne pas enlever cette vidéo parce que je voulais écouter un peu. Et on a commencé à suivre les enseignements, l'enseignement ce jour-là. On est resté toute la journée devant le net. C'est à partir de ce jour-là que j'ai réalisé que je venais de me convertir véritablement. Je croyais être chrétienne. J'étais même devenue, j'avais beaucoup d'autorité sur mon mari. Parce que c'est moi qui avais, soi-disant, amené la lumière donc, chez nous. Alors que j'étais une païenne. À partir des enseignements que je suis sur TV de vie. Donc, mon mari ne priait pas. Il n'avait jamais prié. Depuis l'Afrique, il n'avait jamais prié. La première fois qu'il a entendu le frère prêcher, on priait à la maison. Donc ce jour-là, c'était tellement l'esprit qui parlait que mon frère, mon mari était touché. Je pleurais, je me disais, comment ça se fait que l'assemblée d'où je sors s'appelait Jésus revient? Alors que moi, je ne marchais pas dans la sanctification. Je faisais n'importe quoi. Et quand j'ai suivi les enseignements sur TV de vie, je réalisais vraiment que je n'étais pas converti, j'étais une païenne. Et j'ai rendu grâce au Seigneur, à Dieu. Au courant de ce mois, j'ai été opéré. Alors quand j'ai suivi les enseignements, j'ai réalisé que si j'étais morte, suite à cette opération, lors de cette opération, je serais parti à l'enfer. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai réalisé beaucoup de choses, durant tous ces temps pendant lesquels je pensais être chrétienne. Alors je n'étais pas converti. Je rends grâce au Seigneur, à Dieu. Quand je méditais la Bible avant, et je me disais, mais voilà, il y a des choses qui sont écrites dedans et qu'on ne le voit pas ça se réaliser dans nos vies. Alors c'était à cause de moi, parce que je n'étais pas converti. Quand je vois lors des rencontres, des réunions de réveil, de séminaires, que des sorciers, des satanistes se lèvent comme ça parce qu'on les appelle à la conversion et ils sont touchés, ils se lèvent pour confesser la sorcellerie, ça me dépasse. Et je disais que Dieu est vivant. Ce que je lisais dans la Bible, je le vois s'accomplir, donc c'est vraiment une histoire vraie, c'est des choses vraies. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision. Même ceux qui nous dirigeaient avant dans les églises, s'ils regardent bien au jour d'aujourd'hui, même mon langage a changé.
langage langage changer la façon que nazota ba message notre bana yokozwa mais mukolomo te na bongola imotema. Et je suivais leurs enseignements et en aucun jour je n'étais converti, en aucun jour j'ai expérimenté la véritable conversion. Il est l'un de nos compagnons de cœur. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que Dieu est vivant. Sans la sanctification, personne ne peut accéder au royaume de Dieu. Maintenant, c'est à moi de dire à ces conducteurs, justement ces pasteurs, de revenir sur le droit chemin. Je remercie Dieu. Là où j'allais chez les Allemands, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de systèmes, beaucoup de choses établies qui n'ont rien avec la parole. J'ai fait 12 ans sans avoir reçu quoi que ce soit. Pour moi, j'ai passé, gaspillé mon temps inutilement. Et je rends grâce au Seigneur de ce que je ne suis pas morte. Voilà, sinon, je serais, à l'époque, si j'étais morte, je serais allé directement à l'enfer. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, dans ma maison, il y a la crainte de Dieu. Mon fils, un de mes enfants, la première fois qu'il a suivi les enseignements, quand il a vu des sorciers se convertir, il m'a posé une question. Depuis que je suis né, depuis que je prie, je n'ai jamais expérimenté cette chose, ce réveil, ces conversions. Mon enfant était très, très, n'est-ce pas, étonné. Je bénis le Seigneur parce que toute ma famille maintenant est dans le Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.